de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président de la Société des amis de l'Académie, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que j'ai le privilège de vous présenter le programme de la 18e séance solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, dont le thème porte pour cette édition 2017 sur l'importante question des OGM, organismes génétiquement modifiés. Ce programme se décline comme suit. Le message de bienvenue du président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui sera suivi par la présentation d'une synthèse du rapport portant sur les organismes génétiquement modifiés au Sénégal, état des lieux, Angers au Sénégal, par le professeur Yaïken Gassama, président de la section sciences fondamentales appliquées et de l'innovation. Cette présentation sera suivie de la remise du rapport de l'étude sur les OGM à Monsieur le Président de la République par le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Puis on aura l'honneur et le privilège d'écouter l'allocution du Président de la République du Sénégal. Enfin, le point de presse de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal bouclera cette cérémonie. Monsieur le Président de la République, avec votre permission, nous avons le plaisir de donner la parole au professeur Doudouba, président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, pour son message de bienvenue. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques, stratégiques et institutionnels, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, chers collègues, Mesdames et Messieurs les académiciens, Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs d'établissements d'enseignement, de formation et de recherche, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos titres et qualités, grades et qualités, chers étudiants, chers élèves, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous exprimer la profonde gratitude de l'ensemble des membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour l'honneur que vous leur faites de rehausser de votre présence cette séance académique solennelle qui leur est particulièrement chère. Cette présence est un réconfort, un encouragement pour toute la communauté scientifique. Elle vient confirmer la première décision présidentielle relative à l'enseignement supérieur et à la recherche à la suite du Conseil présidentiel, je cite, « réorienter
le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes, avec une directive pour mettre en œuvre cette décision, appliquer le programme spécial de promotion des sciences et techniques élaboré par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Monsieur le Président de la République, merci pour cette délicate attention. Mesdames et messieurs, nous exprimons notre reconnaissance et nos vifs remerciements à toute la communauté scientifique nationale et internationale qui nous a fait l'honneur d'effectuer ce déplacement. À nos hôtes, venant d'Afrique et d'ailleurs, pour être à nos côtés ce matin, et particulièrement les présidents et représentants des académies sœurs, nous souhaitons la cordiale bienvenue et un excellent séjour en terre sénégalaise. Quant à nos partenaires institutionnels et stratégiques, nous sommes particulièrement sensibles à leur engagement à nos côtés pour répondre efficacement aux attentes des pouvoirs publics et privés, de la communauté scientifique, de la société civile et de la population en général. L'Académie du Sénégal, conformément à ses missions et dans son rôle de conseiller, se doit de mettre à disposition des décideurs des outils de décision, des propositions et avis, s'appuyant sur des acquis et des évidences tirées de données et d'analyses de situations de référence. Un chef d'État européen disait récemment que plus de 70% des décisions gouvernementales avaient besoin d'un avis scientifique. Et l'ANTS l'a compris et s'est donné les moyens pour répondre à ce besoin grâce à son autorité morale, son indépendance, la diversité et la complémentarité de ses membres et sa capacité à mobiliser de nombreux partenaires au Sénégal et ailleurs. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'Académie va co-organiser avec plusieurs partenaires du 5 au 7 mars 2017 un atelier de formation pour l'Afrique francophone qui vise à renforcer la capacité en conseil scientifique au gouvernement en matière de science. Les partenaires participant à cet atelier sont le Bureau du scientifique en chef du Québec, l'UNESCO, l'Agence universitaire de la francophonie Bureau de l'Afrique, l'INSA sous l'autorité de l'UXU, le ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, le Centre de recherche pour le développement international CRD du Canada, The Wellcome Trust du Royaume-Uni. Et 42 participants venant de 17 pays vont pouvoir participer à cet atelier alors que nous avions reçu 232 candidatures, seulement 42 ont pu être sélectionnés. Et nous envisageons également d'organiser au mois de mai un forum sur la santé en partenariat avec l'Académie nationale de médecine de France et sa fondation. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, la NSTS, continuera à assurer pleinement son rôle de conseiller, et ceci en pensant son action pour agir sa pensée. Aujourd'hui,
Les scientifiques qui élèvent la voix ont souvent peine à se faire entendre dans le tumulte des experts animateurs de débats sociétaux. L'ANTS a entamé l'année 2016 de fort belle manière par l'organisation à Dakar d'un forum africain pour la science et la technologie pour le développement, FASDEV, sur l'emploi des jeunes, une nécessaire co-construction des enseignements, formations et des entreprises. Ce forum a vu la représentation de 24 pays anglophones et francophones et de 21 académies africaines. Il a été organisé en partenariat avec les membres du groupe interacadémique pour le développement GID et l'Académie des sciences de l'Institut de France. Il a permis de partager des expériences et de bonnes pratiques pour la réduction du chômage des jeunes par une formation adaptée à l'emploi. Mais 2016 a été surtout marqué par l'étude sur les organismes génétiquement modifiés OGM au Sénégal, thème de notre séance académique solennelle. Pourquoi les OGM? L'humanité continue à être confrontée à la pauvreté, à la faim, la malnutrition, les maladies, la disparition de la biodiversité. Et le développement de la biotechnologie, qui est la biologie des gènes, et ses nombreuses applications ont suscité beaucoup d'espoir pour lutter contre ces fléaux. Et j'y ajoute que la production d'OGM, grâce à la biotechnologie, répond à plusieurs enjeux qui sont d'ordre scientifique, avec l'accès aux connaissances et découvertes qui peuvent être brevetés, économiques et stratégiques, avec les dividendes importants générés par la commercialisation des produits qui en sont issus, notamment dans le domaine de l'agriculture, qui représente 70% des produits génétiquement modifiés, mais également dans le domaine de la santé humaine et animale. L'enjeu est également d'ordre socio-culturel, avec un impact sur les pratiques traditionnelles, sur les aspects moraux, philosophiques et éthiques de la société, sur la brevetabilité du vivant. Nous l'avons dit, 70% des produits biotechnologiques sont destinés à l'agriculture. En effet, grâce aux nouveaux outils biotechnologiques, on dispose de variétés plus performantes qui permettent d'accroître la productivité par surface cultivée et par tête d'habitant, diminuant ainsi la pression exercée sur les terres tout en favorisant des terres marginales salées et arides grâce à l'introduction de gènes de résistance à la sécheresse et à la salinité. Ainsi, notre pays pourrait tirer de la production d'OGM beaucoup d'avantages. On peut en citer l'accroissement de la productivité agricole par l'utilisation de variétés à haut rendement, la culture sur les terres marginales salées, la résilience des cultures face au changement climatique, résistance à la sécheresse, tolérance aux inondations, possibilité de biofortification, avec comme exemple du riz enrichi en fer, du riz doré enrichi en provitamine A, le retardement de la sénescence pour réduire les pertes post-récolte, la réduction des allergènes et l'élimination de la production d'aflatoxine de l'arachide. Cependant,
Les produits OGM mis sur le marché sont aujourd'hui contrôlés par de grandes firmes qui détiennent en même temps au moins 50% des brevets sur les gels. Il convient de souligner que la santé humaine et animale a été le premier domaine d'application de la biotechnologie avec la production, entre autres, d'insuline humaine, de vaccins recombinants, d'albumine humaine. Et aujourd'hui, la thérapie génique pour lutter contre les maladies d'origine héréditaire fait de grands pas. Mais l'utilisation des OGM, si elle présente de nombreux avantages, suscite néanmoins quelques inquiétudes quant aux risques potentiels qu'elle peut engendrer, notamment dans l'environnement et pour l'économie. Par exemple, la dissémination incontrôlée de gènes dans l'environnement, le risque de perte ou d'appauvrissement de la diversité biologique et culturelle, le risque de dépendance du petit paysan vis-à-vis des firmes détentrices de semences. Comme vous le voyez donc, l'utilisation des OGM présente certes des avantages, mais peut-être également elle présente des risques. Il n'y a pas de risque zéro, dit-on. En adoptant une démarche fondée sur le doute scientifique et en considérant l'état actuel des connaissances scientifiques, l'Académie a procédé à une analyse du rapport avantage-risque sur l'utilisation des OGM. Et c'est le fruit de cette analyse que le professeur Yaiken Gassama, spécialiste en biotechnologie végétale, vice-président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, va vous présenter. Nous saisissons l'occasion pour remercier très vivement Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental qui a toujours largement ouvert ses locaux à l'ANTS. C'est le lieu de saluer l'excellence de la collaboration avec Monsieur le Premier ministre qui, chaque fois que de besoin, a donné les instructions appropriées au département ministériel concerné pour accompagner l'Académie. Nous associons à ces remerciements Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour le soutien constant et conséquent de son département. J'adresse mes félicitations au groupe de travail pour la compétence, la rigueur et la disponibilité de ses membres, toutes choses qui nous ont permis de pouvoir déboucher sur des résultats dignes d'intérêt. Je n'oublie pas l'ensemble des membres du personnel de l'Académie pour son dévouement, son professionnalisme et son engagement. Je remercie enfin tous ceux qui, de près ou de loin, apportent spontanément leur appui à l'Académie en soutenant son action dans le but de faire de la science, la technologie et l'innovation un levier essentiel pour le développement durable de notre pays. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre bienveillante attention. Message de bienvenue à tous nos hôtes, mais également message de remerciement adressé à Monsieur le Président de la République, à son gouvernement pour la qualité de relation avec l'Académie. J'ai le plaisir de donner la parole au professeur Yaiken Gassama, vice-président de l'Académie,
président de la section sciences fondamentales appliquées et de l'innovation, professeur titulaire en biotechnologie végétale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour présenter une synthèse du rapport préparé par l'Académie à l'attention de Monsieur le Président de la République intitulé « Les organismes génétiquement modifiés au Sénégal, état des lieux, enjeux au Sénégal ». Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la Présidente du Haut Conseil pour le dialogue social, Monsieur le Président de la Commission nationale pour le dialogue des territoires, honorables députés, distingués invités, chers membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et membres des académies sœurs africaines, Mesdames et Messieurs, il m'est choix l'honneur et le grand plaisir de vous présenter au nom de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal une synthèse, fruit de la réflexion menée autour des organismes génétiquement modifiés, couramment appelés OGM, sur instruction de Monsieur le Président de la République, que nous ne remercierons jamais assez pour l'intérêt et l'appui apporté à notre compagnie. Mesdames et Messieurs, les biotechnologies modernes ou technologies du gène qui sont à l'origine des OGM sont devenues avec les technologies de l'information et de la communication un fait marquant de la société du XXIe siècle. Les technologies du gène se rapportent à des méthodes de production de plantes, d'animaux ou de micro-organismes génétiquement modifiés à partir de l'insertion, la modification ou la suppression d'un ou de plusieurs gènes dans les cellules. Ces technologies permettent ainsi d'obtenir des êtres vivants, animaux ou végétaux, présentant des caractères nouveaux qui seront transmis aux générations futures. Les technologies du gène ont à l'heure actuelle pénétré tous les segments de la société, que ce soit l'alimentation, l'agriculture, l'environnement, la santé, l'industrie, l'énergie, etc. En effet, ces technologies proposent des solutions particulièrement innovantes, permettant d'accroître la productivité des cultures, de faire face à la sécheresse, au dérèglement du climat, à la salinisation des sols et de lutter contre les ravageurs des cultures. Elles permettent aussi de bénéficier d'une alimentation plus saine, plus équilibrée, fortifiée en éléments nutritifs indispensables à la croissance. Les biotechnologies modernes basées sur le gène ont révolutionné la recherche biomédicale grâce à des avancées remarquables récemment obtenue par la méthode CRISPR du gene editing. Et grâce à ces nouvelles méthodes, des maladies telles que le cancer, le diabète, le VIH, la drépanocytose sont en voie d'être vaincues dans très peu de temps. Les progrès récents dans l'allongement de la longévité à travers les recherches sur les cellules souches vont avoir un impact significatif sur l'avenir de l'humanité. Tout cela démontre, si besoin en est, la formidable puissance de l'outil biotechnologique. Cependant, les biotechnologies modernes constituent une discipline dont l'évolution rapide a créé un climat d'appréhension, de peur au niveau du grand public. Et la pression exercée sur les autorités publiques pour évaluer de très près les produits issus de la technologie est considérable.
Les débats autour des OGM ont créé tellement de peur et de suspicion, liés le plus souvent à de fausses images, à des clichés, que seul un débat serein et raisonnable, basé sur des réalités scientifiques, permettra de clarifier, afin de capitaliser les acquis certains de cette technologie, tout en minimisant les risques éventuels. Car si la technologie du gène pose des paradigmes d'un type nouveau à la société, cette dernière se doit y répondre en utilisant des moyens innovants, pertinents et adaptés au processus de transformation sociale qui est devenu inévitable. Un autre paradigme est celui lié à l'impératif pour l'humanité d'apporter des réponses rapides à la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition, les maladies, de protéger et de conserver durablement les ressources naturelles, tout en favorisant de nouvelles connaissances. Il apparaît donc, devant l'urgence et la gravité des maux dont souffre la planète, que nous faisons face à un véritable dilemme cornélien. C'est-à-dire, devons-nous mener une action rapide et être critiqués pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires? Ou bien devons-nous attendre d'obtenir tous les éléments d'études approfondies sur les risques potentiels et être après critiqués pour notre inaction? Telle est la question. Mais il faut aussi reconnaître que le débat sur les OGM est d'une très grande complexité, car il concerne l'environnement, la santé, l'agriculture, la recherche, l'alimentation, mais aussi l'industrie, le commerce, la concurrence, les consommateurs, les habitats naturels et la biodiversité, la propriété intellectuelle, c'est une question sur le brevetage du vivant, influençant les relations économiques internationales et même l'aide au développement. Par conséquent, si la technologie du gène présente beaucoup d'avantages, son développement doit être considéré de manière particulièrement réfléchie. Les sujets de préoccupation des populations sur les OGM se situent à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau sécuritaire, avec l'évocation des risques sanitaires et environnementaux liés à la technologie. Le deuxième niveau, c'est le niveau scientifique, avec la course à la découverte des gènes d'intérêt et leur appropriation par le système du brevet. Le troisième niveau, c'est le niveau économique, avec l'estimation des rapports coûts sur bénéfices des produits OGM, ainsi que les impacts socio-économiques, notamment sur les petits agriculteurs. Enfin, le quatrième niveau, c'est le niveau socio-culturel, avec les conséquences des OGM sur les pratiques traditionnelles ainsi que les aspects culturels, éthiques et philosophiques de la vie en société. Apporter des éclairages à ces questionnements justifie l'étude menée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Et la finalité de cette étude est de disposer pour le Sénégal d'un instrument d'aide à l'analyse du rapport risque sur bénéfice lié à l'utilisation des produits génétiquement modifiés, mais surtout et encore du niveau d'acceptation de ces risques par le public, les populations. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, la transgénèse, qui est la méthode qui permet d'obtenir des OGM, a vu le jour en 1985. Donc ce n'est pas très vieux. Et les premières autorisations d'essais en champ ont été aussitôt suivies des premières autorisations de mise en marché. Donc dès 1996, les OGM étaient déjà commercialisés. En 20 ans, la culture de plantes OGM, c'est essentiellement le colza, le coton, le maïs, le soja, a connu un essor considérable
passant de 1,7 million d'hectares en 1996 à 181,5 millions d'hectares en 2014. Et la progression est constante annuellement. Les principaux pays producteurs sont les États-Unis, 40,3% de la superficie, le Brésil, 23,3%, l'Argentine, 13,4%, et l'Inde, 6,4%. Les gènes d'intérêt utilisés sont la tolérance aux herbicides, c'est le fameux Roundup, la résistance aux insectes, et la combinaison des deux caractères. Cependant, d'autres OGM sont mis sur le marché avec des caractères spécifiques. C'est le cas notamment du maïs résistant à la sécheresse ou enrichi en alpha-amylase pour la production de biocarburants. C'est le cas aussi du riz enrichi en provitamine A et en fer, du manioc résistant aux virus et du coton résistant aux insectes et qui nécessite, dont la culture nécessite moins d'engrais azotés. Sur le plan de la santé humaine et animale, près de 80% des médicaments et des vaccins sont issus de cette méthode de la transgénèse. Il s'agit du domaine où les avancées scientifiques sont les plus consistantes et les plus rapides. Heureusement, comme vient de le dire Monsieur le Président de l'Académie, ce domaine d'application des biotechnologies modernes, bien qu'utilisant les mêmes méthodes de fabrication que les OGM alimentaires, ne suscite aucune controverse. Il est important de souligner ici que le Sénégal gagnerait énormément à tirer parti de ces biotechnologies modernes pour accroître les rendements des cultures, lutter contre les conditions environnementales défavorables telles que la sécheresse, la salinité, les maladies qui impactent négativement les rendements de nombreuses cultures. Les applications disponibles pourront concerner aussi de manière spécifique l'amélioration de la productivité du riz par transfert de gènes de la photosynthèse, l'accroissement de la résilience des cultures face au changement climatique, j'ai dit tout à l'heure, la production de plantes biofortifiées en vitamine A, zinc et fer chez les cultures de grande consommation, riz, manioc, sorgho, niébé et mil. Le développement de vaccins recombinants, le développement, pourquoi pas, de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme, mais aussi la production de tilapia dans le domaine de l'aquaculture, des tilapia de grande taille génétiquement modifiés. Toutes ces applications peuvent être développées à l'heure actuelle au Sénégal, ceci grâce à une volonté politique résolue ainsi que des moyens financiers conséquents. Sur le plan de la géopolitique mondiale, avec le développement des OGM dans le domaine de l'agriculture et l'exacerbation des enjeux économiques, rappelons que le marché des produits biotechnologiques se chiffre annuellement à plusieurs centaines de milliards de dollars. Le débat s'est polarisé et cristallisé au plan géopolitique avec deux groupes qui s'affrontent dans le monde. D'une part, nous avons le pôle des pays qui sont favorables à la production d'OGM, dont les États-Unis, la Chine, le Canada, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, les majeurs. Et en face, nous avons un autre pôle, constitué par les pays de l'Union européenne, en majorité défavorable, interdisant la production de plantes génétiquement modifiées sur leur territoire, tout en autorisant et en encadrant la recherche sur les OGM. Il faut ajouter que les raisons qui sous-tendent cette interdiction européenne sont essentiellement liées à des motifs de politique agricole, d'aménagement du territoire ou des conséquences socio-économiques découlant de la culture des OGM. Mais en aucun cas,
Cette interdiction n'est basée sur les risques sur la santé humaine et animale. Sur le continent africain, seule l'Afrique du Sud a opté résolument pour la culture et la commercialisation des OGM. Le Burkina Faso, le Kenya, le Soudan, le Cameroun, l'Ouganda et l'Égypte sont très avancés dans la recherche et dans la réglementation, mais aussi dans le processus de mise en marché des OGM. Concernant les enjeux économiques, il faut souligner ici la puissance des enjeux économiques pour le contrôle du marché mondial des semences. En effet, la technologie du gène attire les entreprises parce que la possibilité de déposer des brevets exclusifs sur les nouvelles variétés leur permet plus facilement de compenser les coûts élevés de la recherche-développement en biotechnologie. Ainsi, le marché mondial des OGM est pratiquement détenu en majorité par 5 puissantes firmes agrochimiques, la plupart connaissent, qui contrôlent au moins 80% des brevets sur les gènes et 70% du marché mondial des semences génétiquement modifiées. Et ces multinationales commercialisent souvent, dans un package unique, les semences, les engrais et les pesticides. De plus, les semences transgéniques sont vendues avec l'obligation d'acheter chaque année de nouvelles semences qui coûtent plus cher que les semences traditionnelles. Par ailleurs, les récentes fusions en 2016 entre géants de l'agrochimie Bayer et Monsanto, China Chem et Syngenta sont autant de sujets de préoccupation. Car avec la concentration du pouvoir financier et politique mondial de l'agrochimie entre les mains de 3 firmes, l'immense pouvoir que ces firmes vont détenir sur l'agriculture mondiale risque d'exclure ou d'enfoncer dans la pauvreté les petits paysans d'Afrique. En outre, les cultures transgéniques utilisent des gènes d'intérêt conçus pour des exploitations industrialisées et à forte intensité de capital, alors que les cultures locales et les caractères entre guillemets orphelins, qui sont d'une grande utilité à l'agriculture familiale africaine, sont souvent négligés. Or, les agriculteurs, en particulier les petits paysans du Sud, ont besoin de semences de qualité pour accroître les rendements des cultures. Car là où l'agriculteur, dans son système traditionnel, récolte péniblement 1 tonne par hectare, avec les semences issues de la recherche en biotechnologie, les rendements sont multipliés par 3 voire 5. Si des efforts ne sont pas faits localement pour développer un système national de production de semences de qualité, la dépendance vis-à-vis des firmes privées sera inévitable et la conséquence sera la perte de tout contrôle sur notre agriculture. Sur la question des risques, maintenant, il faut dire d'emblée que les arguments utilisés et régulièrement agités par les réseaux, par les partisans anti-OGM sont surtout articulés autour des risques sanitaires liés à la consommation d'OGM. En réalité, avec la lutte entre les puissants lobbies, les lobbies bio contre les lobbies OGM, qui veulent tous conserver leur part de marché, il s'agit plutôt ici de l'importance des enjeux économiques scientifiques. Et c'est cela qui constitue le réel soubassement des prises de position et des controverses. Et pour répondre à la question de l'innocuité des OGM, l'OMS, l'OCDE, la FAO, ainsi que de nombreuses académies, dont les académies américaines, françaises, australiennes, allemandes, anglaises, chinoises, etc.,
se sont prononcés sur la question. En se basant sur une revue exhaustive de données scientifiques, recueillies et compilées sur une période de 20 ans, ces organismes indépendants ont conclu que les aliments génétiquement modifiés ne présentent pas plus de risques sur la santé humaine et animale que les aliments conventionnels. Par conséquent, on peut affirmer qu'il n'y a aucun risque à consommer les aliments issus d'OGM. Cependant, si les OGM ne présentent pas de risques sanitaires sur la santé humaine et animale, par contre, les risques de disparition de la biodiversité agricole et de dissémination involontaire de gènes dans l'environnement peuvent être graves de conséquences pour nos pays en développement. C'est pourquoi l'introduction et la dissémination des OGM au Sénégal exigent l'observation de règles très strictes pour minimiser les risques sur l'agrobiodiversité et l'environnement. L'approche par précaution, fortement préconisée par les autorités du Sénégal, mais aussi par les populations et les acteurs du développement, devrait être appliquée avec rigueur en cas d'introduction de cultures transgéniques. Sur la question de la régulation de la biosécurité au Sénégal, dans le cadre donc, de l'utilisation des OGM, le Sénégal a adopté un cadre biosécuritaire, législatif et réglementaire fondé sur la réponse du oui, oui pour les OGM, mais. Parce que notre pays reconnaît l'importance des bénéfices à tirer des nouvelles biotechnologies, que ce soit l'agriculture, dans le domaine de la santé, l'environnement, tout en restant particulièrement vigilant sur les risques éventuels et les menaces réelles sur la biodiversité et l'économie des petits agriculteurs. C'est l'approche par précaution qui a été privilégiée dans la loi sur la biosécurité, numéro 2009-27, du 8 juillet 2009. Les organes de contrôle, que sont l'Autorité nationale de biosécurité, ANB, le Comité national de biosécurité, CNB, sont sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, je dois dire que ces deux organes sont entravés dans l'exercice de leur mandat par le manque de moyens scientifiques, techniques et humains. À cela s'ajoutent les dispositions excessivement contraignantes de la loi sur la biosécurité, lesquelles dispositions rendent la production, l'introduction, l'utilisation d'OGM quasi impossible au Sénégal. En outre, ces dispositions de la loi entravent tout effort de recherche en vue d'améliorer les ressources génétiques existantes. Mais il est à craindre, surtout, en raison des sanctions très lourdes imposées en cas de non-respect, que ces dispositions n'incitent les utilisateurs à les contourner par l'usage de fausses déclarations. Monsieur le Premier ministre avait déjà donné sur cette question des instructions allant dans le sens de revisiter la loi sur la biosécurité pour la rendre plus opérationnelle, applicable et efficiente. Quelle est la situation des OGM au Sénégal? Le Sénégal, jusqu'à présent, n'a pas de manière intentionnelle introduit ni mis sur le marché des OGM, officiellement. Cependant, des expériences de transformation génétique à petite échelle, dans le domaine de la recherche fondamentale, agricole et médicale, sont en cours dans certains laboratoires, mais dans des systèmes strictement confinés. L'introduction au Sénégal par des sociétés privées de graines de maïs et de produits transformés en huile à partir du soja, du tournesol, du colza, venant des principaux pays producteurs d'OGM, le Brésil, l'USA, l'Argentine, la Chine, l'Inde, devrait inciter à une plus grande vigilance et un contrôle accru au niveau des frontières.
Le Sénégal dispose de laboratoires de contrôle de la sécurité des produits génétiquement modifiés, outillés pour effectuer les évaluations des risques sanitaires et environnementaux. Dans ce contexte, le laboratoire Campus de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar abrite le Centre d'excellence en biosécurité de l'UMOA pour l'identification et la gestion des risques éventuels liés aux OGM. Mais il faut dire qu'à ce jour, aucune demande d'autorisation ne lui a été soumise. Certainement en raison du caractère excessivement coercitif de la loi sur la biosécurité. Et je pense qu'il est regrettable que le principe de précaution, qui est le fondement de la loi du Sénégal sur la biosécurité, qui devrait inciter à une action mesurée, soit devenu un principe d'inaction. Or, pour faire face à l'incertitude, il faut nécessairement développer des programmes de recherche pour lever le doute. Et en matière d'OGM, l'évidence scientifique reste la seule réponse. Et on ne doit pas entraver la science au nom du statu quo. Quelle est la perception de la population sénégalaise sur les OGM? Les agriculteurs, qui sont les principaux acteurs du monde rural, ont une connaissance très limitée de la question des OGM. Et ils demandent d'ailleurs une meilleure information. De plus, les normes biosécuritaires qui régissent l'utilisation des OGM sont quasiment méconnues au plan national. Mais il est intéressant de constater que 68% des populations interrogées, tous secteurs confondus, administration publique, entreprises privées, milieu rural, tous secteurs confondus, 68% des populations sont favorables à la production, à l'introduction et à la commercialisation des OGM au Sénégal. Seuls 21% sont contre les OGM et 11% n'ont pas d'avis sur la question. Toutefois, les besoins en formation scientifique et technologique, ainsi que la nécessité, voire l'urgence, d'informer sur les enjeux, les risques et les bénéfices que l'on pourrait tirer de la technologie du gène ont été très largement exprimés par les populations. L'enquête montre également l'ampleur des attentes portées sur les organes de gouvernance de la biosécurité, garant d'une bonne gestion pour assurer la sécurité des populations. En conclusion, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous soumettons à votre haute appréciation les recommandations suivantes. Première recommandation, afin de développer à partir du germplasme local des produits biotechnologiques répondant à nos besoins spécifiques, il est nécessaire de renforcer les capacités scientifiques, techniques, financières en recherche, développement au niveau de laboratoires de haut niveau. En outre, les programmes de recherche sur les OGM et leur adoption devront se dérouler de manière concomitante avec des programmes non-OGM, comprenant l'amélioration des cultures assistées par marqueurs génétiques, ainsi que les pratiques agroécologiques. Deuxième recommandation, l'enquête de perception a montré que le besoin le plus largement exprimé par les populations sénégalaises est celui de l'information. Il convient donc de renforcer l'efficacité et diversifier les systèmes d'information et de sensibilisation sur les biotechnologies, afin de fournir une information équilibrée qui distingue les faits des émotions. Troisième recommandation, le Sénégal gagnerait à adopter une approche co-évolutive, parce que la technologie avance très rapidement, où le développement technologique irait de pair avec la réglementation.
Par conséquent, notre système juridique sur la biosécurité devra être révisé afin, petit à, de promouvoir une approche qui permet une réglementation responsable, sans imposer un fardeau indu à l'adoption de la technologie. Petit b, de mettre en place des procédures transparentes, basées sur des données scientifiques objectives pour répondre aux incertitudes et risques potentiels, mais aussi pour évaluer les rapports coûts-avantages sur risques. Petit c, d'instaurer des mécanismes suffisamment clairs et transparents pour l'étiquetage et la traçabilité des produits dérivés d'OGM afin de permettre aux consommateurs de faire son choix en toute connaissance de cause. Petit d, de développer un mécanisme de prise de décision, d'accepter ou de rejeter l'introduction d'un OGM est basé sur l'évidence scientifique et en parfaite connaissance de cause aussi. Quatrième recommandation, il y aura nécessité de renforcer en moyens l'Autorité nationale de biosécurité par des investissements significatifs en capacités scientifiques et techniques. Cinquième recommandation, face à la montée en puissance des multinationales qui contrôlent le système des semences, il sera nécessaire de soutenir et de protéger les petits agriculteurs grâce à la facilitation par l'État de partenariats entre groupements d'agriculteurs, entreprises privées, chercheurs et financiers. Et l'objectif est de permettre le déploiement à partir des ressources locales, de technologies innovantes au profit des petits agriculteurs. Sixième recommandation, la gestion de la biosécurité étant une question très complexe, nécessitant des compétences diverses, il est fortement recommandé la mise en place d'un mécanisme institutionnel autonome pour une bonne gouvernance de la question biosécuritaire au Sénégal, en regroupant des expertises scientifiques, juridiques, économiques, ainsi que les médias. Il aura à charge de promouvoir un usage averti, judicieux et prudent des biotechnologies modernes, tout en assurant la diffusion d'une information équilibrée sur les OGM. Il sera aussi un instrument de veille, de conseil sur les nouvelles découvertes et leurs implications, tout en prenant en compte les questions de droits de propriété intellectuelle, brevets et accès des petits producteurs aux bioressources. Enfin, septième recommandation, pour éviter l'introduction non contrôlée d'OGM à partir de l'importation des produits alimentaires, il sera nécessaire d'intensifier le contrôle aux frontières et de former surtout des agents assermentés et équipés en matériel de détection rapide d'OGM. En définitive, Excellences, Mesdames et Messieurs, le développement des sciences et leurs applications technologiques ne sont pas complètement indépendants de la société, car les activités des scientifiques sont soumises à un certain degré soumises au contrôle social. Il faudra dès lors reconnaître que là où les recherches en sciences nécessitent des investissements significatifs, le plus souvent publics, avec des applications susceptibles de compromettre les intérêts des acteurs et parties prenantes, il y aura forcément nécessité de développer autour de ces problématiques un consensus fort. Il demeure aussi fondamental que le questionnement sociétal sur les OGM rencontre celui relatif à la définition d'intérêt, c'est-à-dire quels bénéfices la technologie pourra-t-elle procurer en termes d'avantages comparatifs technologiques, économiques, sociaux, voire même politiques et stratégiques. Mais il est important de retenir
qu'en tout état de cause, le public, notamment les consommateurs des produits OGM, seront les principaux juges. Par conséquent, ce public devra être bien informé sur la nature, les développements et le potentiel de la science face aux problèmes de la société moderne pour pouvoir accompagner les efforts de l'État. Ceci est un point fondamental qu'il faudra poser et régler impérativement si les pouvoirs publics et les scientifiques en particulier veulent recevoir des populations l'appui, le soutien et le mandat nécessaire à la réalisation de leurs objectifs en matière de biotechnologie moderne dans le cadre d'une utilisation judicieuse et sécurisée au Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, professeur Yaïken Gassama, pour votre intervention. Merci, monsieur le président de la République, pour avoir interpellé l'Académie en sa qualité de conseiller sur la problématique des OGM au Sénégal. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal réitère sa disponibilité et se fera un agréable devoir de répondre à toute nouvelle sollicitation. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, professeur Doudouba, va procéder à la remise officielle du rapport de l'étude portant sur les organismes génétiquement modifiés au Sénégal, état des lieux, enjeux au Sénégal, à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Merci. Distingués invités, les résultats de cette étude, conduite selon une démarche participative et inclusive, ont permis, entre autres, de formuler des recommandations fondées sur la diversité et la liberté des points de vue. Ils participent également à éclairer les décisions des autorités et à améliorer la communication sur les risques liés aux OGM au niveau des décideurs, de la société civile, des scientifiques, des médias, ainsi que du secteur privé. Telles sont les recommandations qui sont dans ce précieux document qui vient d'être remis à M. le Président de la République. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous avons maintenant l'honneur et le plaisir d'écouter le message de M. le Président de la République du Sénégal. Je vous remercie, Dr Taïb Diouf, pour votre présentation. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, professeur Doudouba, ainsi que les membres de votre bureau, messieurs les recteurs, doyens,
Monsieur le Président de la Commission nationale du dialogue des territoires, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les académiciens, distingués invités de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, je voudrais distinguer ici le professeur Amosaga Guéraud, ancien ministre de l'enseignement supérieur du Bénin, qui m'a accompagné lors de ma désignation lorsque l'université d'Abomey-Clavi du Bénin m'a honoré à travers le titre de doctorat honoris causa. Professeur, je voudrais vous saluer et saluer l'ensemble des délégations étrangères invitées, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités en vos titres, qualités et grades. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec un grand plaisir que je viens présider la séance solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Cette rencontre constitue un moment privilégié de partage entre le président de la République et votre auguste institution qui assume ainsi sa mission de conseil sur la politique scientifique et technique nationale. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage appuyé aux éminents membres de cette société savante et toute la communauté scientifique exerçant dans notre pays pour le précieux rôle d'avant-garde qu'ils sont en train de jouer dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent en tant que programme résultant ou la résultante de nos politiques publiques. Faut-il le rappeler, notre nouvelle stratégie de développement économique et social s'appuie sur le secteur clé des sciences et techniques, indispensable au progrès et au bien-être des populations. C'est pourquoi je tenais à recueillir l'avis éclairé des membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal sur la problématique des OGM, qui demeure un enjeu important de développement. Je voudrais, avant d'aller plus loin, féliciter le professeur Yaïken Gassama, vice-présidente de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et présidente du groupe de travail, pour son brillant exposé, j'allais dire son cours sur les OGM et tous les enseignements qui ont été retenus. Mesdames et messieurs, l'actualité et la pertinence du thème de la présente séance solennelle, les organismes génétiquement modifiés, état des lieux, enjeux et perspectives au Sénégal ne sont plus à démontrer. Il est indéniable que les OGM peuvent nous aider à relever les plus grands défis de l'heure, tels que l'insécurité alimentaire, les problématiques de la santé publique, mais aussi la conservation durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. Alors, dans ce contexte, les nouvelles biotechnologies ou technologies du gène constituent une réelle opportunité pour répondre efficacement à ces enjeux. Sans aucun doute, le Sénégal pourrait, à l'instar d'autres pays, tirer de ces technologies des avantages socio-économiques considérables. Toutefois, vous conviendrez avec moi que ces technologies posent encore un certain nombre de préalables du fait
de la controverse que suscite à travers le monde leur utilisation. Et l'argument a été amplement développé tout à l'heure par le professeur Gassama et contenu dans le rapport que le gouvernement exploitera avec diligence et intérêt. Alors c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de renforcer le statut de l'Autorité nationale de biodiversité, de biosécurité, et de se doter d'un dispositif juridique adapté, combiné à un système d'information performant, basé sur des données scientifiques objectives, permettant d'évaluer les rapports coûts, avantages et risques. C'est la raison pour laquelle je vous rejoins dans votre recommandation qui consiste à dire que le principe de précaution ne doit pas entraîner l'inertie. Et donc, il devient impératif de modifier la loi 2011 portant sur la biosécurité. Donc, je demande au gouvernement, au ministre de l'Environnement ici présent et à son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'engager les concertations pour que dans les meilleurs délais, cette loi soit modifiée en tenant compte, en tout cas, des recommandations arrêtées dans le présent rapport. Alors, ce n'est que de cette manière que nous pourrons décider, parlant de ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'Autorité nationale de biosécurité, décider donc d'accepter ou de rejeter les OGM. Moi, je dois vous dire très clairement que je suis pour l'utilisation d'OGM sur la base des précautions prises et sur la base d'une régulation dynamique qui doit accompagner les connaissances scientifiques. Autrement, on serait contre le progrès. Évidemment, toutes les précautions seront prises, mais il faut franchir le pas et il faut décider. Sinon, on va discuter, philosopher, ce qui est une très bonne chose, mais il faut décider et avancer. Donc, il faudra, chez le ministre de l'Environnement, vous êtes les orthodoxes en matière de prudence, mais il nous faut avancer véritablement, surtout que le PSE nous y oblige, que nous avons des impératifs en matière d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire et aussi dans d'autres domaines très précis. La problématique que pose cette innovation technologique, mesdames et messieurs, n'est pas seulement scientifique, vous l'avez rappelé, mais elle est également politique, car elle interpelle. Elle nous interpelle sur la façon dont nous souhaitons voir notre monde évoluer. Il s'agit donc d'un choix de société. Mais puisque ce choix de société engage l'avenir de notre nation, il doit être pris en toute connaissance de cause, dans le respect des intérêts des générations actuelles et futures. Cela d'autant plus que notre option, à travers le plan Sénégal émergent, est de faire de l'agriculture, de la santé et de l'industrie, pour ne citer que ces secteurs, des socles de l'émergence économique et sociale. Il s'y ajoute qu'à la suite des assises de l'éducation et de la formation, et ainsi que de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, j'ai décidé de réorienter l'offre de formation sur les besoins économiques et de mettre l'accent sur les filières scientifiques et techniques, ainsi que sur la formation professionnelle. Aussi est-il fortement souhaitable d'accompagner toutes les initiatives publiques pour la promotion des sciences et techniques, en particulier chez les filles, conformément à l'objectif de développement durable numéro 5. Et il s'agit de réaliser l'équité de genre dans la formation et l'apprentissage aux sciences en mettant l'accent sur les mesures incitatives ci-après. L'institution de prix
pour les filles en sciences en série scientifique. L'octroi de bourses spéciales pour les filles désireuses de poursuivre des études supérieures en sciences. Ça, c'est pour mon voisin de droite. La création d'un prix d'excellence pour les enseignantes dans les disciplines scientifiques. La nomination d'ambassadrices de la science qui auront pour mission de promouvoir auprès des filles les métiers des sciences et techniques. Alors, toutes ces actions devraient permettre à terme d'avoir des entrepreneurs et des techniciens compétents et conscients des risques liés à l'utilisation des OGM. J'ai parlé des femmes puisque lorsque nous aurons une société bien tenue par les femmes, en tout cas, l'expansion de la connaissance se fera à un rythme géométrique pour paraphraser les mathématiciens, pendant que pour les hommes, peut-être que la progression serait un rythme arithmétique. Donc, pour pouvoir disséminer les meilleures pratiques, nous avons intérêt à aller dans cette direction. Et le ministre me rappelait justement que je venais de nommer, il est vrai, 2 mois, 3 femmes professeurs directrices d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Il s'agit de GISEP, de Matam, de Richard Toll et de Bignona, et je les salue ici. Il nous faut engager une réflexion sérieuse afin d'élaborer une stratégie permettant l'utilisation optimale des OGM tout en atténuant les risques y afférents. C'est en cela que je voudrais saluer la remarquable contribution scientifique que l'Académie a apportée au gouvernement sur ce sujet. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier au nom de toute l'Académie. À travers les importantes recommandations contenues dans le rapport de synthèse qui vient de m'être remis. Je voudrais donc adresser mes félicitations au Président, professeur Doudouba, et à l'ensemble des membres de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, ainsi qu'à tous les membres de votre prestigieuse compagnie qui fédère diverses compétences nationales et internationales. Je souscris parfaitement aux recommandations formulées, notamment celles allant dans le sens de soutenir et protéger les agriculteurs contre les multinationales dans le secteur des biotechnologies, de développer et de renforcer les moyens de la recherche afin de valoriser notre biodiversité. Et ces moyens qui seront accrus pour l'ISRA, par exemple, pour ne citer que le domaine de la recherche agronomique, montrent que nous pourrons nous-mêmes être producteurs de brevets, et donc créateur aussi d'OGM maîtrisé tenant compte de notre biodiversité locale. Cependant, il convient d'insister sur la nécessité de protéger les consommateurs à travers l'accès à l'information scientifique et la mise en œuvre de stratégies de communication, de sensibilisation et de formation adéquates. De plus, nous devons veiller davantage à l'application du principe de prévention, mais aussi des principes de précaution, sans que cela ne soit une inertie. Ces principes ayant pour but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité, des consommateurs et de notre environnement. Alors, pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement de faire des discours, je voudrais partager avec vous un peu l'état des lieux sur ce qui a été fait ces 2 dernières années.
Je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, que j'avais lancé la construction de 100 laboratoires qui sont aujourd'hui en cours de construction dans toutes nos universités et instituts supérieurs. Les premiers seront livrés au mois de juin 2017. Il s'agira bien sûr de laboratoires équipés selon aujourd'hui un équipement adéquat. Nous pouvons déjà dire que plusieurs bâtiments ou laboratoires ont reçu des équipements modernes tels que les laboratoires du département de biologie animale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'UT de Thiès, de l'ENSA de Thiès et de l'école polytechnique de Thiès pour un équipement de 1,5 milliard déjà livré. Ensuite, il en est de même pour l'université Alun Diop de Bombay et l'université Hassan Seck de Ziguinchor. Au moment où nous parlons, il y a l'achat de 2 microscopes électroniques pour un montant de 780 millions de francs CFA. L'achat pour 2017 d'équipements de biotechnologie végétale pour 300 millions. Et plus important, le projet de supercalculateur où une signature a été faite lors de mon voyage à Paris au mois de décembre à travers une convention pour l'achat, la maintenance d'un supercalculateur de 321 teraflops. Il sera le plus puissant en Afrique pour un coût de 15 millions d'euros. La création avec l'Université d'Evry d'une plateforme de génétique moléculaire en cours. Les travaux de la Cité du Savoir, je dois dire, ont démarré à Diamniadio et les premières infrastructures seront livrées cette année. Il s'agit de la médiathèque, de la maison de la science et du centre de mutualisation et de partage. D'autres infrastructures sont en cours à Diamniadio, notamment l'ISEP de Diamniadio, qui est le siège aussi de l'Université virtuelle du Sénégal et le siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Alors tout cela, ce sont des choses qui sont en marche. Il ne s'agit pas de promesses ou de projets. Et je voudrais saluer dans la même veine le projet de recherche de surveillance épidémiologique et de formation, projet privé ou public-privé, du professeur Souleymane Boub, que je salue, qui a aussi démarré. Il s'agit d'un projet de 9 milliards de francs CFA, et je tenais ainsi à féliciter le professeur Souleymane Boub, qui, en tout cas, amplifie nos actions dans ce domaine. Pour conclure, je voudrais réaffirmer mon ambition d'œuvrer au développement de la recherche scientifique et technique au profit d'une croissance durable et partagée dans le respect de l'éthique et de la responsabilité. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président de la République, met fin à notre cérémonie. Nous vous remercions de votre aimable attention. Oh,
man da fa sonno ki na sera garab kuy bu meñere yaata duma ti fatu di ko wa wi an kon segam ne